semaine, comment allez-vous mes chers Milly Milo? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous savez, bah, je suis pas tout seul. On vient de filmer la vidéo pour Halloween. C'était que du kiff, on a bien apprécié. Et j'espère que vous allez aimer. Il y aura une heure de vidéo. C'est pas grave. Les histoires sont intéressantes. Ouais, franchement, ils sont chouettes et je trouve qu'on a eu un chouette échange et tout. Non, franchement, j'ai bien apprécié. Et j'espère refaire ce genre de vidéo parce que j'aime beaucoup. Pour l'occasion, vous le savez que l'artiste solo coréen Gao va venir à Lille l'année prochaine et on a su avoir nos places en VIP. On est super, hyper, hyper, super, n'importe que ce que vous voulez. Super méga gigantesquement heureuse. Heureusement parce que c'est notre artiste solo préféré. On aime d'autres, mais Gao, c'est Gao. Les places, ça a été super dur de les avoir parce que moi j'étais en Italie, elle à Singapour et moi j'étais dans les montagnes limite parce qu'on allait je sais plus où à une plage mais très loin de où on était en train de dormir. Donc j'étais là mais je fais putain avec ce réseau, ça fonctionne pas, je vais pas avoir. Et elle essayait aussi de son côté au moment où elle allait les avoir, je les ai eues. Ouais, j'allais finir les ai, j'allais faire le paiement, elle m'a dit je les ai eues, j'ai fait ouf. Que ça ne faisait pas payer. Parce que à chaque fois, quand tu réactualisais la page, il disait épuisé, épuisé. Et finalement, je dis, mais essaye avec Safari, puis tu recommences sur Google Chrome. Et j'ai joué comme ça, et puis, pam, je l'ai eu. Ça a été dur, mais pour une fois, j'ai une chance de cul. D'habitude, j'ai jamais de chance pour mes places. C'est toujours Nana qui a la chance pour ça, donc franchement, super contente. Peut-être qu'elle m'a donné de la chance. Ouais, attends, le pouce, j'ai envoyé. C'est ça, elle fait. Chef, chef. Flèche de Cupidon en mode concert. Bon, et pour l'occasion, je me suis dit, comme était à la maison, qu'on a filmé la vidéo d'Halloween et tout, j'ai hâte que vous la voyez, je me suis dit, bah, ce matin, j'ai vu que Gao nous avait sorti tout simplement une cover sur un des titres des Blackpink qui est sorti dernièrement, en anglais s'il vous plaît. Shutdown. Merci. Ça c'est très bien, ouais, allez, c'est canon quand même en anglais, hein, quand c'est bien dit. Et on aime énormément Gao, mais moi j'aime tellement quand il fait ses covers parce que limite je préfère limite ses covers à lui, à la cover que l'original. J'ai adoré ses autres covers des chansons de Blackpink, limite je préférais ceux-là. Oui, j'ai trop kiffé, il a fait une avance de la quête. Je sais plus. Bref, j'ai fait une avance. Mais on avait adoré. Donc je me suis dit, bah, de pierre deux coups, on va la faire maintenant en mode. Voilà, voilà. Et voilà. Notre petit souliste favori. Voilà. Bah, je vais te laisser appuyer sur le champignon, fille, hein, et let's go, mes chers Milly Milo, on va regarder ça. Appuie sur le champignon. J'aime déjà trop l'ambiance Halloween, là. Gao et Kev. Oh. On aura une photo avec lui et une signature. C'est toi qui parleras en anglais avec lui, hein, parce que moi je sais pas parler. Hein. Je sais pas ce que je vais lui dire, je vais rester comme une débile. Tu vas faire Toujours il approche cette touche du rock, comme vous allez voir. Ouais. Ah bah putain, voilà. Je préfère cette version. J'adore la version originale. Hein. Mais celle-là. Ah, elle souffle comme ça. Oh là là. Avec cette guitare, putain. J'adore les néons quand ils font tout. Ouais, c'est cool, ça met une bonne ambiance. Vraiment cette ambiance mystérieuse. Il peut sortir en single, s'il vous plaît. Je l'exige. Tu vois qu'il kiffe trop son moment en plus. Avec le synthé, c'est trop canon. Tout ce qu'il fait, c'est trop canon.
J'ai vraiment d'avoir déjà vu la tête du batteur quelque part, mais je sais pas où. C'est possible, hein, mais peut-être qu'il a beaucoup collaboré pour ses covers aussi à chaque fois. Parce que moi, parfois, j'ai pas. La physionomie. Non, pas. Non. Sa race. Non. Non. Waouh! Pause de fin, les gars. Alors, moi, j'ai envie de dire parfait. Il n'y a rien à dire de plus, hein. C'était renversant. Éblouissant. Non, j'ai pas exaltant. C'est Gao. Bah, limite, j'adore la version originale, hein. Sérieux. Mais cette version-là, elle dépasse quoi. Ce côté rock qu'il a Gao. C'est ça, moi j'adore le rock, donc d'office je vais plus apprécier ce côté rock. Et même l'ambiance dans cette forêt qui fait très intrigant, Halloween, avec ses néons rouges, qui a porté ce truc encore plus mystérieux, plus hypnotisant. Je vais télécharger cette version et la mettre sur mon téléphone. Good Ali. Ouais. Je reste sur le cul là. Oh, je pense aussi le fait qu'on va le voir, on est un peu plus encore plus, par son talent. Ouais. Bon, on a. Je suis trop contente, on va le voir. Ce sera la première photo que j'aurai avec un artiste et une signature en plus. Et de l'artiste solo coréen que je préfère de la mort qui tue. Donc c'est. Et pour, en plus, pour le prix, c'était pas cher du tout. 95 euros, c'est rien du tout. Hein. Pour ce qu'on va avoir, c'est rien. Non, c'est hyper bien comme prix, franchement. C'est bien. Faites tout le temps comme ça parce qu'on n'est pas riche comme Crésus. Non, et puis on viendrait encore plus. Hein. Parce que c'est vrai que quand on a été à Londres, la salle ne s'est même pas remplie parce que les prix étaient exorbitants. Ouais, le deuxième jour, la moitié des places assises n'étaient pas vendues. Je me souviens qu'ils faisaient plein de réductions, qu'ils n'arrêtaient pas de vendre le machin. Tout le temps. Alors que voilà, c'est toujours la money, le rendement, les gars. Mais à un moment donné, les gens ils vont pas payer justement que c'est trop cher. Donc faites vos prix plus bas et votre salle sera remplie et sera plus bénéfique pour vous. C'est ça, parce qu'en soi, le dimanche, on avait pris une place moins chère parce que c'était hyper cher. Et on a été mieux placé que le premier jour où on avait payé plus cher. Parce qu'on a été surclassé vu le manque de place. Bah tant mieux. Vu le peu de ventes qu'ils ont eu. D'un côté, tant mieux pour nous. Ah ouais, ça, on était mis plus proche, c'était encore mieux. J'aurais vu ça pour et on a toujours dit qu'on voulait refaire un festival. D'ailleurs, ils refont un festival K-pop Flex, je sais pas quoi, à Londres hein, de nouveau. Mais Londres, c'est loin. Enfin, c'est loin. Il y a des chouettes groupes, il y a Winner quoi. C'est chiant. Mais oui, c'est chiant. Moi, je suis. Tu es revenu de Singapour. Moi, je vais à plusieurs concerts là. Donc, enfin, plusieurs concerts Blackpink, mais j'ai quand même payé 200 balles. Hein, donc, 200 balles, c'est beaucoup énorme pour moi. Hein. Ouais, donc, peut-être partir en vacances quand même. Je suis partie deux fois en vacances aussi, donc là il faut que je renfloue mes caisses. Donc voilà, je voulais vraiment aller au concert des Dreamcatcher. Je veux trop y aller. Ils ont pas une date qui est plus près de la Belgique que me taper Paris. Je vais me renseigner. C'est vrai, pourquoi ils sont pas venus à Bruxelles? Ils sont déjà venus en plus. Et c'est ça que je me dis, on a déjà eu la chance d'aller les voir à la Key Community. Et je me dis, je vais attendre qu'il y aura peut-être une autre date, parce qu'ils ont promis qu'ils allaient revenir, une date officielle en Belgique. Ouais. Voilà. Bon. Et vous, mes chers Mélimélo, est-ce que vous avez apprécié la cover de Gao? Est-ce que vous préférez l'original ou celle-ci, comme nous? Est-ce que vous kiffez les deux? Ou vous, si vous kiffez les deux? Nous, on aime bien les deux, mais on a une petite préférence maintenant pour la cover de Gao. Gao. Vous voyez pas, on a des petits cœurs dans les yeux. Ouais. En vrai, on prononce très mal son nom. Oui, je sais pas comment. C'est Gao. Gao. Parce qu'il y a un H. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est Gao. C'est mieux, ça prend. Ouais. Yeah. Gao. Gao. Oh. Gao. On vous fait plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne et à la sienne. Ou regardez les vidéos. A très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir, bye bye, sayonara. Bye. 3, 2, 1.